un verre d'eau. Tu manges une glace. Instagram, Snapchat, faut qu'on laisse des traces. Serait-on lâche? On s'embrasse, bise en face, avant le crash. Pendant qu'on se fait la bise, le monde se globalise. Saint Boniface, rendez-vous en face à face avec l'homme que l'on nomme Monseigneur Feignasse, mangeur de chocolat, Léonidas. Pierre Citron, l'homme en terrasse, de Bruxelles à Honduras. Son alias, le magnifique, l'as des as. Avec des fausses hérités comme guide, hélas, dans la rue, une Seat passe. Elle laisse des traces. En terrasse. En terrasse. En terrasse. Je bois et je ramasse. En terrasse. Y'a les gens qui passent. En terrasse. Y'a jamais assez de place. En terrasse. Je veux pas de calage. Et puis boum, décalage. En terrasse. Décalage, ça fait clash. Drive-by de la haine. Mise en scène. Des types tristes qui fument trop de shit font exploser le kitsch comme une balance. Plan de relance, Bruxelles, c'est pas la France. Chômage, racisme, jamais de chance. Rien à voir avec l'Islande, c'est pas Aram le rentre dedans. Sans compter les médias de la crise qui nous terrorisent pour remplir des pages à tout va. L'État, c'est bien, mais nos biens ne valent plus rien, donc ça veut plus rien dire tout ça. Une porte fermée pour en mourir, l'étranger au paradis, plus personne ne doit sortir. L'esprit bouclé, dormir pendant la guerre des étoiles et se tourner vers le mauvais côté. Les mains sales, dans la rue, on fait régime, police ou militaire. Ouais, on sent bien chez nous ici, c'est bon, soyons clairs. En terrasse, je bois et je ramasse. En terrasse, il y a des gens qui passent. En terrasse. Y'a jamais assez de place en terrasse. Je veux pas de calage en terrasse. Je bois et je ramasse en terrasse. Y'a les gens qui passent en terrasse. Y'a jamais assez de place en terrasse. Je veux pas de calage. Je vais prendre un thé à la menthe et un café serré. Inch'Allah, qu'est-ce qu'on va encore nous raconter? On est tous venus ici pour se faire des sous. On est tous devenus tout fous. On a décidé de boire un verre avant. On a hésité entre le Dylan's et la Maison du Peuple. On s'installe en terrasse. Après le premier verre, on s'est dit qu'on allait en reprendre un autre. C'est ce deuxième verre qui nous a sauvé la vie.